Bonsoir à toutes, à tous, aux internautes qui nous suivent à distance pour donc cette quatrième conférence du cycle 2024 qui va être consacrée à l'Europe, à son futur de sécurité, au partage des visions entre Européens eux-mêmes, puis Européens et les autres, et notamment l'allié américain, après d'ailleurs des déclarations une nouvelle fois un peu fracassantes d'un ancien président de la République, mais peut-être futur. Américaine, oui, on a compris. Je parle de M. Trump. Mais on aura l'occasion d'en reparler avec Barbara Kuntz, qui est chercheur au CIPRI, vous connaissez bien, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, où elle est directrice, justement, des programmes de sécurité européenne. On évoquait un long parcours académique brillant, à partir de Sciences Po, un doctorat à l'Université de Stockholm, ce qui fait que vous parlez plusieurs langues, dont le suédois, ce qui est plus rare, et une thèse qui était consacrée, en réalité, on essayait d'en faire la traduction, parce que la traduction française, par la traduction automatique, était un peu curieuse. Elle disait « des gentillesses, des missiles de croisière et tout ce qu'il y a entre deux ». En réalité, c'est une formule adaptée de Madeleine Albright qui parlait du langage diplomatique jusqu'à, voilà, du soft power jusqu'aux missiles de croisière. Cette thèse a été ensuite suivie, comme je le disais, de beaucoup d'étapes. Directrice de projet à la Fondation Genscher-Hagen, chercheuse à l'IFRI, qu'on connaît bien ici, experte auprès du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. Ensuite, comme Helmut Schmidt Fellow auprès du German Fund un certain nombre de mois à Washington. Donc un parcours très balisé, très sérieux dans nos domaines et qui illustre d'ailleurs de très nombreuses publications. Je ne les citerai pas toutes, peut-être les plus récentes et celles qui, à mon avis, font comme une sorte de pointillé qui amène à votre propos. Il n'y a pas d'Europe. Les désaccords au sein de l'OTAN ne sont pas uniquement transatlantiques. C'était notamment un chapitre qui était consacré au nouveau concept stratégique au-delà de l'OTAN. Je citerai aussi un article Paris-Berlin, moteur stratégique de l'Europe en panne, qui était paru dans un ouvrage collectif La France dans le monde de Frédéric Charillon. Et troisième petit point, plus récent, l'Europe dans le domaine de la sécurité américano-russe, y a-t-il une issue? Voilà, c'était là encore un gros travail dans un ouvrage intitulé « Polarité dans les relations internationales ». Donc, merci d'abord d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir. On vous attendait depuis un moment, je vous le disais, donc on est très, très, très heureux que ce soit le 11e cycle de la chaire qui ait pu faire que vous puissiez nous rencontrer. Vous connaissez les règles, mais je les rappelle pour la salle. Vous avez tout le temps pour présenter votre conférence. Ensuite, on aura un petit échange entre nous, puis les questions de la salle, en commençant toujours par les étudiants et puis ensuite les auditeurs, tous ceux qui veulent s'associer à cet échange que vous avez d'ores et déjà accepté d'avoir avec eux. L'Europe et son futur ordre de sécurité, existe-t-il une vision partagée? C'est la thématique, le sujet tel qu'on l'avait libellé, mais là-dessus, vous allez à la fois nous en dire plus et peut-être d'ailleurs vous écarter de ce sujet un peu académique. Merci beaucoup et je vous cède immédiatement la parole, chère Barbara. Écoutez, merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici en votre compagnie ce soir. C'est un grand honneur pour moi. Et je me réjouis de pouvoir discuter avec vous de l'avenir de l'ordre de sécurité européen. Alors, évidemment, nous savons tous que nous, Européens, sommes en train de vivre une période absolument cruciale pour notre sécurité, et ce, pour de multiples raisons situées à l'Est et à l'Ouest, et bien sûr chez nous aussi. Et tout ce que nous savons à l'heure actuelle, enfin, je pense qu'on peut tout à fait le dire comme ça, c'est que l'ordre post-guerre froide, cet ordre qui était construit sur la charte de Paris, a volé en éclats avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Et on ne sait pas encore trop ce qui viendra ensuite, quel sera le nouvel ordre.
Et quand il s'agit de se poser la question de savoir s'il y a une vision commune, la première réponse qu'on peut apporter, c'est que si vous incluez la Russie dans ce « nous », la réponse est certainement non. On n'a pas de vision commune avec la Russie concernant le nouvel ordre de sécurité européen. Ce qui fait que ce soir, je vais exclusivement parler de l'Europe au sens Europe de l'OTAN, Europe de l'Union européenne, Europe occidentale, parce que de toute manière, avec la Russie, on sait parfaitement qu'on n'a pas de vision partagée. Et dans cette Europe qui nous intéressera ce soir, le grand changement, évidemment, depuis l'invasion de l'Ukraine, c'est qu'on est vraiment passé d'une idée de sécurité coopérative, de sécurité à construire avec la Russie, à considérer comme la Russie comme une menace et un adversaire, ce qui est aussi entériné dans de nombreux documents stratégiques, à la fois au niveau national, dans quasiment tous les pays européens, mais aussi au niveau Union européenne, OTAN, etc. Et alors, si on traduit cette nouvelle réalité en termes de politique de défense en Europe, dans l'OTAN et au niveau national de ces pays membres, on voit que l'accent est désormais sur la dissuasion et la défense collective, le retour de la défense territoriale. Et tout ça est, par exemple, très évident dans le nouveau concept stratégique de l'Alliance Atlantique, adopté en 2022. Donc, sur cette question-là, je pense qu'on peut tout à fait dire qu'il y a consensus en Europe. On mise sur la dissuasion et dans un contexte européen un peu hors de France, je dirais, il faut aussi bien garder en tête que la dissuasion n'est pas uniquement nucléaire, mais que c'est vraiment la dissuasion au sens large, qui donc inclut les moyens conventionnels et qui va même au-delà dans une logique de dissuasion par le déni qui contient aussi des notions de résilience sociétale, de vraiment rendre plus difficile pour un adversaire d'attaquer. Cependant, qu'est-ce qu'il en est qu'est-ce qu'on est des détails de ce consensus? Comment vraiment l'opérationnaliser? Comment le mettre en œuvre? Et quand on va un peu plus loin que juste la situation actuelle, c'est comment envisager la relation avec la Russie? Parce que relation avec la Russie, il y aura, c'est inévitable. Même si c'est une relation dans laquelle on ne se parle pas, juste pour des raisons géographiques, la Russie sera juste à côté et donc on aura forcément une sorte de relation avec ce voisin. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir comment on gère cette situation, comment on gère l'instabilité, comment on gère la relation conflictuelle qu'on aura sans doute avec la Russie. Et donc en arrière-plan de ces interrogations, évidemment, il y a les questions que tout le monde parce que tout le monde en Europe se pose sur l'avenir des garanties de sécurité européenne. Vous avez fait allusion aux propos de l'ancien président Trump tout récemment dans les médias. C'est un des exemples. Malheureusement, il y en a d'autres. Et donc, quand vous regardez de très près les réponses qu'on donne à toutes ces interrogations en Europe, on se rend compte qu'en fait, les réponses en Europe sont un peu moins unifiées qu'on pourrait peut-être le croire. Et donc, c'est cela que j'aimerais vous proposer ce soir, c'est vraiment d'analyser plus en détail les différences entre Européens, d'essayer de comprendre aussi d'où viennent ces différences, quelles en sont les sources intellectuelles. Donc, ça risque d'être un petit peu théorique, mais j'espère à la fin pouvoir vous convaincre que les questions un peu théoriques valent aussi la peine d'être analysées. Et je me permettrai aussi de vous présenter une vision du monde peut-être un peu noir et blanc, mais ça sera dans un esprit d'idéal type à la Max Weber pour en fait rendre les propos plus clairs et plus analytiques. Et donc c'est sur là que portera une première partie, c'est-à-dire ces éléments qui constituent l'analyse en Europe. Et la deuxième partie de mon exposé ce soir
portera plus concrètement sur la question de savoir comment on va de l'avant au vu de ces divergences européennes. Alors, dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, je trouve qu'on a, grosso modo, une unité assez remarquable parmi les Européens de soutien à l'Ukraine. On a évidemment des débats concernant l'étendue de ce soutien. Est-ce qu'on fait assez? Quel système il faut qu'on livre à l'Ukraine? Qui ne fait pas assez, etc. Il y a le président Orban qui est un peu à part, mais par ailleurs, personnellement, en tout cas, j'ai été positivement surprise par l'unité européenne dans ce contexte. En même temps, vu le sujet qui nous intéresse, on peut dire aussi que pour l'instant, le consensus porte principalement sur des questions relativement pratiques, des questions de logistique, des questions pas très conceptuelles, si vous voulez. Et on est aussi dans un contexte où, à mon avis, il semble assez évident de la réponse à donner. Soutenir l'Ukraine, il n'y a sans doute pas beaucoup d'alternatives. Donc, soutenir l'Ukraine dans sa guerre, ce n'est pas la guerre de l'Ukraine. L'Ukraine a été attaquée par la Russie, évidemment, mais dans sa défense. Et dans un avenir dont on ne sait pas trop quand il arrivera, évidemment, de mettre fin à cette guerre de manière acceptable pour l'Ukraine. Dans le plus long terme également, les questions sur lesquelles il faudra se mettre d'accord, et là, je pense qu'il sera déjà plus difficile de trouver un consensus européen, mais peut-être pas tant que ça, ce sont toutes les questions qui sont liées à la reconstruction du pays, ou questions qui sont liées à la question de savoir si on donne des garanties de sécurité à l'Ukraine, sachant que signer des papiers qui disent garantie de sécurité, ce n'est pas très compliqué. Ce qui est vraiment compliqué, c'est de les rendre crédibles. Comment faire en sorte qu'on puisse donner des garanties de sécurité crédibles aux Ukrainiens? Puis il y a tous les dossiers d'accession de l'Ukraine à l'Union européenne, à l'OTAN. Donc c'est là-dessus que je pense qu'on aura un peu plus de mal à trouver des consensus européens, mais ça sera tout à fait gérable. Par contre, la vraie question qui se posera, c'est celle de la future relation avec la Russie. Et je pense qu'à l'heure actuelle, dans ce contexte de guerre en Ukraine, les désaccords européens sont un peu couverts par ces questions pratiques et la nécessité évidente de soutenir l'Ukraine. Parce qu'une chose dont on doit être convaincu, à mon avis, c'est qu'il ne faut absolument pas se faire d'illusions. Le conflit avec la Russie continuera une fois la guerre en Ukraine terminée. Il suffit d'écouter les discours et les interviews du président Poutine pour ne pas vraiment avoir de doute là-dessus. Ce qui fait que même une fois la guerre en Ukraine terminée, du point de vue européen, on sera vraiment dans un mode de dissuasion et de défense. Et il serait totalement naïf de penser qu'on verra un retour à la sécurité coopérative. Et en sens ça, le consensus qu'il y a sur cette question, c'est déjà du progrès, puisqu'on a vu des années de débats européens qui portaient essentiellement sur des prépositions quand il s'agissait de définir la politique européenne envers la Russie. Désormais, on s'est mis d'accord que la sécurité européenne se construirait contre la Russie et non plus avec la Russie. Donc cette idée de sécurité coopérative et cette évolution du consensus concernant le contre met fin à un débat qu'on a eu pendant de longues années lorsqu'il y avait ceux en Europe, notamment les Allemands, qui croyaient en la possibilité de construire la sécurité avec la Russie. Pas forcément par sympathie pour Poutine, mais voilà, ceux qui croyaient vraiment, et puis évidemment, c'est surtout de l'Allemagne que je parle, alors pas uniquement des sociaux-démocrates, comme on a parfois tendance à le croire, mais
Nord Stream 2 a aussi continué sous le gouvernement Merkel. Donc, c'était vraiment une approche allemande et non plus pas uniquement liée à un certain parti. Et ceux qui étaient opposés à cette approche, évidemment, c'était surtout les pays qu'on qualifie de pays du flanc Est, qui, sur la base de leur expérience historique avec la Russie, n'ont jamais vraiment cru à cette possibilité. Donc voilà, le consensus en Europe aujourd'hui, c'est que la bonne préposition, c'est « contre ». Mais le problème, c'est que même quand on s'est mis d'accord sur le « contre », contre de construire la sécurité européenne contre la Russie, il y a plusieurs façons de le faire. Et c'est sur cela que porteront les débats de l'avenir. Et un premier indicateur pour cela, à mon avis en tout cas, c'est les réactions un peu partout au propos du président Macron, qui a dit en décembre 2022, quand il était en visite aux États-Unis, qu'un des points essentiels pour sortir de la situation actuelle en Ukraine et la Russie, c'était de fournir des garanties à la Russie. Au vu des craintes de la Russie, de l'OTAN, on peut dire qu'elles sont justifiées, elles ne sont pas justifiées, mais en tout cas, au vu de ces craintes, il faut fournir des garanties. Alors, c'est un discours du président français qu'on n'entend plus tellement, mais en tout cas, les réactions à l'époque étaient assez violentes, notamment des capitales baltes et polonaises. Mais donc, ça montre que les approches à la situation actuelle ou la réponse qu'on donne à la question de savoir comment on gère le conflit actuel repose en fait sur deux paradigmes très, très différents. Et c'est de ces deux paradigmes que je souhaiterais parler plus en détail. Alors, ce qui est très important, c'est de comprendre qu'on ne parle pas du tout, je ne parle pas du tout d'un paradigme anti-russe et pro-russe. Il ne s'agit absolument pas de tomber dans cette dichotomie-là, puisque les deux paradigmes ne s'excluent pas forcément, c'est-à-dire elles ne sont pas forcément l'opposé l'un de l'autre, mais le problème, c'est qu'elles mènent à des politiques et des opérationnalisations très, très différentes, ce qui fait que dans leur opérationnalisation, ils sont souvent incompatibles. Et donc, ces deux paradigmes, le premier, je l'appellerais le paradigme de l'identité, alors que le deuxième paradigme, je l'appellerais le paradigme de la stabilité. Et donc, encore une fois, ce n'est pas une dichotomie, l'un n'est pas l'opposé de l'autre, mais si vous voulez, ce sont les deux paradigmes que vraiment on retrouve dans le débat actuel et la réflexion stratégique actuelle. Alors, pour parler du premier paradigme, le paradigme de l'identité, on le retrouve surtout à l'est de Paris, donc encore une fois dans ce qu'on appelle les pays du flanc est. Il est très enraciné dans leur expérience historique de la guerre froide et parfois avant. Et donc, ces adeptes nous expliquent que ce qui se passe en Ukraine et de manière plus large, le conflit entre l'Occident et la Russie est en fait dû à la nature même de la Russie, à son caractère, son identité agressive et impérialiste, ou du moins l'identité agressive et impérialiste du leadership russe actuel de ses dirigeants. Et donc, cet argument repose aussi sur l'histoire, en nous expliquant que la Russie a toujours agi comme ça, et c'est la raison pour laquelle elle agira comme ça à l'avenir. Alors, on peut peut-être espérer une évolution interne en Russie, donc, pour dire de façon plus simple, la fin du règne de Vladimir Poutine. Mais donc, pour l'instant, la seule chose qu'on peut faire d'un point de vue occidental, c'est vraiment de dissuader la Russie autant qu'on peut. On ne peut jamais exclure une attaque de la Russie contre un autre, un pays de l'OTAN ou d'autres pays européens, comme le ministère de la Défense danois, par exemple, nous l'a rappelé la semaine dernière, qui nous dit que la Russie pourra attaquer l'OTAN dans 3 à 5 ans.
Et donc, dans l'idéal, la stratégie occidentale devrait consister à affaiblir la Russie, à l'écraser, comme certains disent. Et c'est aussi des propos qu'on retrouve, par exemple, outre-Atlantique, avec le secrétaire américain de la Défense qui a tenu des propos similaires en avril 2022. Et donc, ici en Europe, ce sont des propos que vous allez souvent entendre à Varsovie, dans les capitales baltes, etc. Donc voilà pour le paradigme de l'identité qui explique la situation actuelle par l'identité de la Russie. Le paradigme de la stabilité, en revanche, déjà pour le souligner, donc dans ce paradigme ou dans cette manière d'approcher les choses, l'invasion de l'Ukraine est tout aussi inacceptable. Encore une fois, ce n'est vraiment pas le paradigme pro-russe qui s'opposerait à un paradigme anti-russe. Mais ce paradigme-là met beaucoup moins l'accent sur l'identité ou le caractère russe ou de son régime, mais en fait passe à un autre niveau d'analyse et a une approche beaucoup plus systémique, un peu plus abstraite aussi, et en termes de théorie des relations internationales. Si vous permettez d'être un peu universitaire pendant un petit moment, au cœur de ce raisonnement, vous trouvez le système international, la structure du système international et les dynamiques en jeu dans le système international. Et donc, l'idée de la stabilité nous dit que la stabilité requiert une sorte d'équilibre. Et si nous voulons la stabilité ou même à long terme la paix, ce qui est idéal, si c'est l'objectif, la Russie écrasée, finalement, ne serait pas la bonne voie, puisque ça mènerait à un déséquilibre et n'alimenterait que le revanchisme russe, un peu en parallèle avec l'Allemagne après le traité de Versailles et tout ce qui s'est passé après. Et donc, au cœur de ce paradigme, vous avez l'idée qu'une seule une Russie qui se sent suffisamment en sécurité pourra être une Russie stable et qui n'attaque pas ses voisins. Là, encore une fois, ce n'est pas du tout un argument pour les zones d'influence russe ou quoi que ce soit, et encore moins, bien sûr, une justification pour la Russie d'envahir ses voisins. Mais cet argument, c'est un argument pour trouver un mode de gérer la relation conflictuelle qu'on a aujourd'hui, et cette relation qui reposera, si on veut être réaliste, sur la dissuasion pendant un moment, de manière à éviter au plus possible que Moscou ne se sente menacée par les actions de l'Occident. Et donc, ce que vous avez à la base de ce paradigme, c'est vraiment la reconnaissance du dilemme de sécurité entre, en ce cas, la Russie et l'Occident, c'est-à-dire l'idée que les mesures prises d'un côté pour être défensives, pour se défendre, pour accroître sa sécurité, peuvent être perçues comme des mesures agressives et offensives par l'autre, et ce qui vous emmène dans une spirale d'escalade constante. Et donc, c'est là qu'entre en jeu les garanties de sécurité évoquées par le président Macron. Et donc, pour les adeptes de ce paradigme de la stabilité, c'est en fait la prise en compte de ce dilemme de sécurité qui permet d'arriver à un maximum de stabilité en Europe et d'éviter la guerre, pour être relativement simpliste là-dessus. Aussi, puisque affaiblir la Russie, de toute façon, paraît comme un objectif impossible à long terme. C'est un vaste pays avec un arsenal nucléaire. Et donc, l'écraser ou l'affaiblir n'est peut-être pas la bonne stratégie, mais plutôt de trouver un modus vivendi, puisque tout simplement, la Russie ne disparaîtrait pas. Donc, pour résumer ces deux paradigmes, ils veulent la même chose. Il s'agit juste de moyens différents pour arriver à une Europe qui est protégée contre la Russie, et une Europe stable et peut-être un jour pacifique.
Si vous regardez le débat européen d'aujourd'hui, vous allez voir que le paradigme de l'identité semble être beaucoup plus populaire, peut-être pas tellement en France, mais en Europe de manière générale. C'est certainement le cas. Et on observe aussi une tendance à rejeter des propos comme ceux d'Emmanuel Macron que j'ai cités, comme naïfs, comme de l'appeasement, et puis dans le pire des cas, comme secrètement pro-russe. Cependant, il me semble beaucoup trop simpliste d'argumenter de cette manière, même si c'est, dans une certaine manière, compréhensible dans un débat très, très émotionnel, qui vraiment porte sur des questions perçues comme existentielles dans de nombreuses capitales européennes. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce paradigme de la stabilité, en réalité, était au cœur de nombreuses politiques et approches occidentales pendant la guerre froide, d'approche de l'Union soviétique, puis après 1991, de la Russie. Donc, encore une fois, juste rejeter tous ces propos comme naïfs ou fondés dans une attitude secrètement pro-russe ou quoi que ce soit, mais tout simplement correcte d'un point de vue historique. Durant la guerre froide, vous aviez certes la rhétorique anticommuniste et donc, si vous voulez, une certaine dose de paradigme de l'identité, mais vous aviez aussi l'acceptation de l'existence d'un dilemme de sécurité. Vous aviez des notions comme la destruction mutuelle assurée, l'équilibre de la terreur depuis les années 60, qui sont une expression de ce paradigme de la stabilité. Et le paradigme de la stabilité ne disparaît pas non plus avec la fin de la guerre froide. En réalité, toute l'idée de maîtrise des armements repose sur une logique qui nous vient de ce paradigme de la stabilité. Et donc, tous les accords conclus entre la Russie et les États-Unis, même après la fin de la guerre froide, mais ce n'est pas non plus uniquement des accords. Ces accords bilatéraux sont liés à la dissuasion nucléaire, mais même dans les domaines non nucléaires, vous avez par exemple des instruments comme l'acte fondateur OTAN-Russie de 1997, dans lequel l'OTAN dit vouloir se retenir dans les stationnements, dans les infrastructures militaires, justement dans une optique de ne pas exacerber des craintes russes. Donc voilà, c'est un paradigme qui a quand même des fondements dans la réalité, qui a été mis en œuvre, qui a été opérationnalisé par le passé, où il y a des exemples qui rentrent parfaitement dans cette logique. Et donc, pour conclure cette première partie, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le constat que depuis 1991, donc la fin de l'Union soviétique, les choses ont mal tourné entre l'Occident et la Russie. Mais le problème pour aller de l'avant et de choisir le bon paradigme, si vous voulez, c'est que le problème, c'est que les deux permettent d'expliquer la détérioration des relations entre l'Occident et la Russie, ou moins d'avoir des éléments d'explication. Si vous demandez aux adhérents du paradigme de l'identité, ils vous diront qu'on a été trop naïfs, qu'en Europe de l'Ouest, on n'a pas voulu écouter ceux qui connaissaient véritablement la Russie et que de toute manière, la sécurité coopérative telle qu'on a essayé de la construire reposait sur des illusions dès le départ. En revanche, les adeptes du paradigme de la stabilité vont vous dire que le problème et l'explication de la situation actuelle vient du fait que le paradigme de la stabilité a été de plus en plus dilué et appliqué de façon trop incohérente dans les relations avec la Russie, ce qui expliquerait à la fois la détérioration des relations États-Unis-Russie et aussi OTAN-Russie. Les exemples
qu'on cite sont par exemple l'intervention de l'Alliance Atlantique au Kosovo, mais aussi tout le dossier de la défense antimissile stratégique et la sortie de l'administration Bush du traité ABM après le 11 septembre, des infrastructures liées à la défense antimissile en Roumanie, en Pologne, etc., etc. Donc, ces exemples que je viens de vous donner sont certes des exemples qui reviennent aussi dans les discours russes, dans la propagande russe, mais je pense qu'en tant qu'analyste, nous devons aussi de les analyser avant de les rejeter, juste parce qu'elles apparaissent dans le discours russe. Donc voilà, en conclusion, ces deux paradigmes en fait permettent d'expliquer ou de lire la situation actuelle. Et le problème, c'est évidemment que ce que ça signifie, c'est que l'histoire ne nous apportera pas la réponse à la question de savoir d'où on va d'ici, puisqu'aucun des deux, finalement, ne peut prouver qu'il a raison. Ce qui m'amène à ma deuxième partie sur où est-ce qu'on va depuis ici, comment on peut aller de l'avant, comment on peut construire une nouvelle architecture de sécurité européenne qui sera fondée dans cette idée de la défense et de la dissuasion de la Russie. Et je crois que tous ceux qui ont suivi les débats européens sur la sécurité ces 10, 20, 30 dernières années seront d'accord avec moi pour dire que les débats européens sur la sécurité sont toujours très, très difficiles. On a longtemps débattu de zones géographiques où ceux qui pensaient que les principales menaces se trouvent au sud étaient opposés à ceux qui trouvaient que les principales menaces se trouvaient à l'est. On a bien sûr eu tout un débat sur l'autonomie stratégique européenne depuis quelques années maintenant. Et ce ne sont que deux exemples de débats relativement récents, assez compliqués, qui n'ont finalement malheureusement pas abouti sur grand-chose. Mais dans le contexte actuel, on a un contexte, enfin des conditions géopolitiques qui sont bien plus compliquées, plus difficiles et aussi complexes, avec beaucoup plus de facteurs. Et je pense qu'on peut dire que, comme je le disais au départ, on est tellement occupé de questions pratiques en ce moment, de comment soutenir l'Ukraine, etc., que le véritable débat sur l'avenir de l'ordre de sécurité européen n'a en réalité pas encore commencé. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il s'agira surtout de mettre en œuvre donc cette décision de mettre l'accent sur la dissuasion et la défense, de l'opérationnaliser, ce qui veut dire de la traduire en posture militaire avant tout, et de la traduire éventuellement aussi en politique industrielle de la défense. Comment préparer l'Europe à mettre en œuvre la dissuasion et la défense? Ça, c'est un processus qui est en cours en Europe et surtout à l'OTAN, avec des décisions prises au sein de l'Alliance Atlantique lors des derniers sommets, donc Madrid en 2022 et Vilnius l'année dernière, avec un nouveau modèle des forces, etc. Et c'est un processus qui n'est pas encore achevé, qui est en cours, hein, ce qui fait aussi que le débat qui devrait l'entourer n'est certainement pas achevé, mais qui est tout juste en train de naître. Mais, et c'est pour ça que j'ai longtemps parlé de ces deux paradigmes, je pense que vraiment les deux paradigmes seront au cœur de ce débat. Et donc, encore une fois, aucun de ces deux paradigmes n'est pro-russe. Les deux sont à bord pour vraiment mettre l'accent sur la dissuasion, sur la défense, et qui ne parle pas forcément de relations normales, entre guillemets, avec la Russie dans tous les domaines, mais de relations, comment dire, très compartimentalisées dans le domaine de la défense, puisqu'on ne reviendra pas à des relations avec la Russie comme on les a avec d'autres pays dans un avenir proche. Et donc ces deux paradigmes veulent encore une fois la même chose, la stabilité en Europe et, de façon très basique, éviter la guerre.
Alors, la vraie question dans ce débat, et c'est là qu'on retrouve les deux paradigmes et la vraie différence entre les deux, c'est la réponse apportée à la question de savoir si l'Occident, donc nous Européens, les États-Unis, l'OTAN, devons prendre en compte la perception de la menace russe, et est-ce que nous devons considérer que la Russie a des intérêts de sécurité légitimes ? Alors évidemment, pour tous les intérêts de, pas tous les intérêts de sécurité avancés par la Russie sont légitimes. Envahir l'Ukraine pour des raisons de sécurité n'est certainement pas légitime, mais la question est celle de savoir est-ce que certains intérêts sécuritaires russes peuvent être légitimes. Et alors, dans le débat, le peu de débat qu'il existe aujourd'hui sur cette question, mais on peut, si vous voulez, en interprétant le débat sur d'autres sujets, on peut en tirer des conclusions. La réponse apportée à la question de savoir donc, si les intérêts de sécurité russes peuvent être légitimes, le paradigme de l'identité vous amènera plutôt à dire non. Et je pense que le principal argument dans cette réponse est aussi lié à l'identité, cette fois-ci pas l'identité de la Russie, mais l'identité de l'OTAN, où l'on dit « Oh mais l'OTAN, de toute façon, est une alliance purement défensive, non agressive, on n'a aucune intention d'envahir qui que ce soit, et donc la Russie n'a aucune raison de se sentir menacée. » Et dans un deuxième volet, qui peut paraître un peu contradictoire, il y a aussi cette idée que le but même de la dissuasion, c'est qu'un adversaire se sente menacé. Et si on poursuit cette logique, on arrive à l'idée qu'en fait, on ne peut jamais faire trop de dissuasion, parce que plus la Russie se sent menacée, mieux c'est, parce que ça nous rend plus sûrs. Donc voilà un des volets dans ce débat et des arguments qu'on entend. Le deuxième paradigme, donc celui de la stabilité, aura plutôt tendance à répondre oui. Il faut tout à fait prendre en compte la perception de la menace russe. Et cette logique découle encore une fois d'une analyse au niveau du système international qui est fondée sur l'idée du dilemme de sécurité. Donc encore une fois, il ne s'agit pas vraiment ou pas du tout même, de sympathie pour Moscou ou de gentillesse ou je ne sais quoi. Mais l'idée à la base, c'est de dire la précondition pour la stabilité, c'est déjà l'absence de guerre. Et donc, très concrètement, ce que ça signifie pour la posture de dissuasion à adopter, c'est qu'il s'agit d'ajuster cette posture donc, en fonction de la perception de la menace de la Russie, pardon, de maintenir des mesures de réassurance pour la Russie, ce qui est par exemple l'approche norvégienne, un exemple dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est très intéressant, de toujours faire en sorte que les canaux de communication restent ouverts entre l'Occident et la Russie, et de vraiment investir dans des mesures de réduction de risques, et de cette manière-là, essayer de, si vous voulez, limiter les risques qui sont liés à la dissuasion. Et donc, c'est vraiment à ce niveau d'opérationnalisation de comment on met en œuvre une posture de la dissuasion. Donc, encore une fois, on parle de dissuasion pas uniquement nucléaire, mais dissuasion au sens beaucoup plus large. C'est à ce niveau-là d'opérationnalisation que les deux paradigmes risquent de devenir incompatibles. Donc, on peut être d'accord sur la perception de la menace, on peut être d'accord sur la solution, entre guillemets, même s'il n'est peut-être pas très durable, mais qu'on peut être d'accord sur cette idée que la dissuasion et la défense sont à peu près la seule chose qu'on peut faire en ce moment. Mais donc, comment on le fait exactement? C'est là qu'il ne va pas être facile de se mettre d'accord entre les adeptes des deux paradigmes, étant donné que prendre en compte des intérêts russes semble tout à fait inacceptable dans de nombreuses capitales européennes aujourd'hui. Elles sont principalement situées sur le flanc est. Et alors, même sous ce deuxième paradigme, évidemment, il y a énormément de difficultés, puisque
il faudra tout de même trouver un moyen de distinguer les préoccupations valables et fondées de Moscou et de les distinguer des simples prétextes fournis par Moscou pour ses actes. Je ne sais pas où. Donc voilà, je pense qu'on peut... Une chose dont on peut être sûr, c'est que la nouvelle architecture de sécurité européenne ne naîtra pas d'une sorte de Big Bang ou de congrès de Vienne répété où on décidera de l'architecture de sécurité, mais qu'elle émergera étape par étape, petit pas par petit pas, avec suite à de nombreuses petites décisions qui sont prises, un peu comme on l'a vu après 1991, où il y a même peut-être des décisions qui sont prises sans aucune intention de bâtir un ordre de sécurité, mais la somme de ces petites décisions représentera quand même un ordre de sécurité. Et dans de nombreuses décisions qu'il faudra prendre, ces paradigmes seront implicitement présents. Et c'est pour ça qu'on n'y échappera pas, ces paradigmes, et qu'un compromis risque d'être compliqué à trouver. Le vrai défi dans ce contexte n'est pas vraiment donc de gagner la bataille des paradigmes, mais en fait de les rendre complémentaires. Et pour faire un petit tour d'horizon en Europe, des adhérents de ces paradigmes, je pense qu'on peut dire qu'au sein de l'OTAN, il n'est pas toujours évident qui croit en quel paradigme parmi les États membres de l'OTAN. Donc, d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de débat sur ces questions, pas encore peut-être. Mais on peut quand même dire des choses sur la base de positionnements passés ou de positionnements traditionnels des différentes capitales. Alors, pour commencer, aux États-Unis, déjà, il faut garder en tête que la Russie n'est pas la question de premier plan pour les Américains. Ça l'est pour nous, ici en Europe, ça ne l'est pas pour les Américains. Pour eux... c'est la Chine, évidemment. Puis vous avez aussi tout un volet qui... Enfin, je sursimplifie et j'en suis désolée, mais vous avez tout un volet dans la politique américaine qui trouve que, de toute façon, s'engager à l'étranger, on devrait arrêter. Donc, des tendances isolationnistes. Et donc, tous les autres qui pensent quand même qu'il faut faire des choses à l'international, pour faire très simple... La Russie, ce n'est pas la grande préoccupation. C'est la Chine, c'est Taïwan, etc. Après, si vous essayez de retrouver ces deux paradigmes dont je parlais, il me semble qu'aux États-Unis, c'est une question de politique intérieure. En fait, une politique de peut-être pas forcément de parti, mais de camp interne en débat national. Et si vous voulez vraiment retrouver ces paradigmes de façon assez claire, il faut aller voir le débat sur la défense antimissile aux États-Unis. Et c'est là que vous voyez que l'administration Biden est un peu à cheval entre les deux, c'est-à-dire que dans son approche à l'Ukraine, je pense qu'on retrouve plus le paradigme de la stabilité. En même temps, la défense antimissile étant toujours en place, et sachant que la défense antimissile fait partie des dossiers qui vraiment énervent Moscou, et que les États-Unis ne bougent pas vraiment là-dessus, vous voyez qu'il y a un peu des deux. En Europe, je crois que c'est plus une question de culture stratégique nationale. C'est-à-dire que rarement, au sein d'un même pays, vous avez les deux, mais où c'est plus, je dirais, vous avez un paradigme par pays dans les débats européens. Et donc, du moins historiquement, les pays qui faisaient partie de l'OTAN au moment de la guerre froide, donc si vous voulez, l'ancienne Europe de l'Ouest, ils ont du moins une expérience avec le paradigme de la stabilité, puisque comme je l'évoquais
pas toute la politique de guerre froide américaine, italienne, etc. reposait sur ce paradis, mais une bonne partie quand même. Aujourd'hui, je mettrai aussi des puissances nucléaires dans ce camp, peut-être par nécessité. Si on a la bombe, il faut savoir gérer les dilemmes de sécurité qui en découlent. Ils ne disent peut-être pas de voix et sans doute pas publiquement dans le contexte qui est quand même très, très difficile aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais voilà, donc, je pense qu'on peut... J'ai cité le président Macron, donc qui a en tout cas un certain ancrage dans la culture stratégique française. J'ai aussi cité l'exemple norvégien, alors pas du tout une puissance nucléaire, mais tout de même un pays qui a une frontière terrestre avec la Russie et qui a donc développé sa propre approche à gérer cette relation qui vraiment essaye d'équilibrer la dissuasion et la réassurance, sachant que la réassurance vise à rassurer Moscou que le territoire norvégien ne sera pas utilisé pour une attaque contre le territoire soviétique à l'époque et russe aujourd'hui. D'autres qui étaient peut-être traditionnellement plus du côté paradigme de la stabilité sont en train de basculer dans une approche plus fondée sur le paradigme de l'identité. Je pense par exemple à la Finlande, qui avait une histoire assez difficile avec l'Union soviétique, évidemment, mais qui avait aussi toujours cet équilibre entre le dialogue et la méfiance. Mais avoir suivi l'élection présidentielle en Finlande et les discours qui s'y sont tenus, je pense qu'on sent un départ de ce paradigme. Pour nous intéresser à un autre grand pays, ou en tout cas un pays important en Europe, je pense que concernant l'Allemagne, on peut dire qu'elle n'a pas encore trouvé sa voie, qu'elle cherche toujours, sachant aussi que l'Allemagne n'a, si j'ose dire, pas vraiment de culture stratégique profondément ancrée. Mais l'Allemagne a une conscience historique, par contre, ce qui, à mon avis, explique en grande partie le soutien actuel de l'Allemagne à l'Europe centrale et orientale, notamment la brigade que l'Allemagne stationnera de façon permanente en Lituanie. Donc, vous avez toutes ces dimensions-là. Mais en même temps, vous avez aussi l'Allemagne, comment dire, traditionnellement attachée au désarmement, à la maîtrise des armements. Mais donc, il y a les deux. Mais je pense que le débat public actuel en Allemagne indique quand même une certaine tendance au paradigme de l'identité, c'est-à-dire une approche qui explique beaucoup ce qui se passe par l'identité russe et l'identité de ses dirigeants. Donc voilà, on a, pour résumer un peu le paysage en Europe sur cette question, je pense qu'on a vraiment les deux paradigmes qui existe dans le paysage européen. Et donc la question qui se pose, c'est évidemment celle de savoir d'où viendra le leadership pour surmonter ces différences. La réponse traditionnelle à cette question serait évidemment de dire ça viendra des États-Unis, comme ça a toujours été le cas. Bon, on a les élections américaines cette année et le risque de l'ancien président Trump qui redevient président. Donc, on ne sait pas trop. Et en Europe même, on est assez divisé. Je pense qu'il y a une responsabilité, évidemment, des puissances nucléaires. C'est peut-être aussi une question qui pourrait être traitée dans le cadre du triangle de Weimar, donc France, Allemagne, Pologne, qui regroupe un peu tous les camps dans le débat sécuritaire européen. Aujourd'hui, en tout cas, on est devant des défis énormes. Donc, c'est pas seulement une question de paradigme qui poseront problème dans la décision de comment on opérationnalise cette idée de mettre en œuvre
une posture de dissuasion, comment on va dissuader la Russie et nous défendre contre la Russie. Mais je pense que les problèmes en Europe viennent aussi de différences culturelles qui sont toujours très profondes, de logiciels très différents dans les différentes capitales, ce qui fait qu'on transforme pas mal de discussions stratégiques européennes en dialogue de sourds, tout simplement, où le problème n'est peut-être même pas qu'on ne soit pas d'accord sur les sujets, mais qu'on n'arrive pas à communiquer. Et on a tout simplement des analyses divergentes qui peuvent diverger sur les aspects concrets comme l'environnement stratégique. En fait, le débat n'est pas du tout sur qu'est-ce qu'on fait, mais plutôt on n'est déjà pas d'accord en européen sur quelle est la situation, quel est le problème à résoudre. Et ensuite, il y a ce problème de niveau d'analyse que j'ai mentionné tout à l'heure, enfin, dans le sens où les deux paradigmes en fait, sont aussi situés à deux niveaux d'analyse différents, ce qui fait que pour communiquer, déjà, il faudrait se mettre d'accord sur un niveau d'analyse et d'identifier les facteurs qui seront pris en compte. Et on a bien sûr... Le passé des débats européens qui ne se sont pas très bien passés sur les questions de sécurité, qui ont aussi une sorte d'héritage historique qui rend les choses difficiles. Pour juste vous donner l'exemple français, c'est que dans beaucoup de capitales européennes, toute proposition qui vient de France est due comme un exemple de gaullisme anti-américain, quel que soit le contenu de la proposition française. Et ça ne facilite évidemment pas du tout le débat si les propositions françaises, comme celle de l'autonomie stratégique européenne, ne sont même pas examinées puisqu'elles sont rejetées d'emblée pour être vues dans ce contexte historique. Alors, pour conclure, déjà, j'espère que ce n'était pas trop théorique, mais au contraire, j'espère avoir pu vous convaincre que les questions un peu théoriques valent vraiment la peine d'être analysées parce qu'elles peuvent être pertinentes. Et la conclusion qui n'est peut-être pas très originale, enfin la première de mes conclusions en tout cas, c'est qu'il faut un vrai débat stratégique européen. On dit depuis des années, des décennies, donc voilà. Désolée de ne pas être plus originale, en même temps, on n'a toujours pas de véritable débat stratégique européen. Il faut revenir à une approche unifiée sur ces questions. Je pense aussi qu'il y a un vrai travail de remise à niveau à faire pour de nombreux pays. Alors, ça ne concerne peut-être pas la France, qui est quand même une puissance nucléaire, mais dans beaucoup de pays, on a pensé pendant les années et les décennies que les questions stratégiques, qu'on pouvait les ignorer et se concentrer sur autre chose. Alors, en même temps, enfin, il y a ce problème-là, mais un problème de mise à jour aussi, au sens où un simple retour au concept et aux notions de la guerre froide n'est pas non plus la solution, puisque le contexte à la fois technologique des systèmes d'armement, etc., mais aussi géopolitique avec la montée en puissance de la Chine, a tellement changé depuis la fin de la guerre froide qu'on peut peut-être partir sur la base des notions de la guerre froide, mais il faut vraiment aussi les actualiser et arriver à des réponses contemporaines. Et donc, plus concrètement, évidemment, ce qu'il faut, c'est aussi un vrai débat sur la dissuasion. Et à ce moment-là, pas un débat juste théorique, mais un vrai débat concret sur comment mettre en œuvre ces décisions de miser sur la dissuasion. Donc, encore une fois, pas uniquement nucléaire, mais au sens plus large. Et pour terminer sur, encore une fois, mes deux paradigmes, il faut parvenir à une approche complémentaire entre ces deux paradigmes, qui, comme je le disais, ne s'excluent pas forcément mutuellement. Et donc, ce qu'il faut, c'est une analyse de la menace unifiée. Et je pense, au vu de ce qui se passe en Ukraine et des propos du président Poutine, etc., il faut vraiment avoir zéro illusion sur la Russie, et s'attendre au pire, c'est le rôle,
c'est le rôle enfin, des gens qui pensent aux questions de défense. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de penser que l'analyse de la menace et de s'attendre au pire nécessite une approche à la dissuasion complètement maximaliste. Et que cette approche maximaliste, entre guillemets, de la dissuasion rende l'Europe plus sûre et nous amènerait à rejeter tous ces instruments qui permettent de gérer un dilemme de sécurité, qui permettent de gérer une relation entre adversaires, que sont la maîtrise des armements, la réduction des risques, etc. Donc si on arrive à la complémentarité de ces deux paradigmes, on pourra aller de l'avant et construire un ordre de sécurité européen qui, pour l'instant, malheureusement, devra être fondé sur la dissuasion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Barbara. Alors, je trouve effectivement stimulant vos deux paradigmes. Je trouve qu'ils s'appliquent bien dans votre propos pour expliquer la différence de position dans les capitales européennes. Pourquoi un Estonien ou un Polonais pense ainsi, un Français différemment, un Allemand, et comment d'ailleurs en composant l'un et l'autre. Pour les États-Unis, si on utilise les mêmes paradigmes, on peut dire que quand même le schéma de stabilité, c'était un schéma qui impliquait de pousser l'OTAN jusqu'aux frontières d'une Russie faible. C'était ça le schéma de stabilité. C'était, après la guerre froide, avoir unifié ce continent en réduisant la Russie à une portion congrue qui faisait d'ailleurs qu'elle, au bout, elle pouvait sentir qu'elle n'agirait plus comme un acteur stratégique. Autrement, on comprend pas pourquoi, après les premiers accords qui avaient été passés de partenariat OTAN-Russie, les accords MOX de retraitement des matières nucléaires en excès, tout ça, ça a marché un tout petit peu dans les années 90, ça s'arrête avant les années 2000, et puis on voit l'antagonisation qui se façonne et qui s'exprime d'ailleurs en 2008 sur à la fois la crise des subprimes et la perte de la superbe américaine, les enlisements en Afghanistan et en Irak et évidemment l'invasion de l'Ossétie. Pour la Russie, son identité, elle la reconquiert, telle qu'elle le pense, son identité nationale, par la déstabilisation. Donc elle joue l'élément de perturbation, qui est un élément de reconquête de son influence dans son étranger proche, voire dans la perturbation du rôle, de l'influence, voire du pouvoir d'un certain nombre d'États européens. Et alors, dans ce schéma, ce qui manque, c'est qu'on a l'impression qu'ils ne sont ni... c'est l'Europe, c'est l'Union européenne. L'Union européenne, sur cette période, on a l'impression que son identité s'efface et sa stabilité, évidemment, disparaît dans cette crise. Et c'est là où j'en viens un peu, et au point même, c'est intéressant que vous ayez utilisé aussi ce paradigme de l'identité, puisque chacun se souvient qu'à un moment, il était question de créer une identité européenne de sécurité, qui s'est volatilisée je ne sais pas où, celle-là, elle existe peu. Et donc, sur est-ce que désormais identité et stabilité ne se rejoignent pas sur la tenue tout simplement de la ligne de front en Ukraine et donc sur la responsabilité historique des Européens, surtout si l'allié américain est défaillant, avant toute hypothèse de négociation, de transaction, d'ailleurs sur quoi comment vont-ils tenir cette ligne de front qui est d'une certaine manière à la fois constitutif d'une certaine identité, pour l'instant on peut parler d'une unité, pas d'identité, vous dites unité, de vue, etc. Et puis et forcément d'un positionnement stratégique de stabilité en Europe, puisque de la tenue ou de la non-tenue du front, de toutes les façons, les cartes seront rebattues d'une manière ou d'une autre, par des élargissements possibles de certains, par des promesses faites à d'autres, mais par une organisation qui aujourd'hui est défaillante. Et les années, celles-ci, 2024, les années 2025, elles sont à la fois décisives, mais elles sont décisives surtout pour les Européens.
En termes d'identité politique, est-ce que l'Union européenne pourrait survivre, et même l'OTAN, à ce qui serait une victoire de politique, parce que ce n'est pas la victoire territoriale, la victoire politique de Poutine, ou est-ce qu'elle en sortirait très très en difficulté, ou est-ce qu'elle compenserait cette difficulté autrement dans une construction qui en ferait une citadelle assiégée, qui se donnerait les moyens, etc. Donc la question, finalement, elle se résout quand même sur une ligne de front dans le Donbass. Donc ça simplifie quelque part un peu les choses. Ou est-ce que vous pensez que je vais trop schématiquement, en utilisant vos paradigmes et vos critères, sur une conclusion trop hâtive ? Alors, peut-être pour... Je crois que les paradigmes s'appliquent surtout à l'analyse de la situation actuelle et, disons, de manière un peu plus abstraite. C'est-à-dire, il y a cette idée d'une identité russe qui ne bougera pas, qui sera toujours la même, et que cette identité inchangeable de la Russie qu'il faut se préparer. Après, vous avez parfaitement raison que tout se joue, en fait, sur cette ligne de front en Ukraine, en tout cas... peut-être pas tout, mais beaucoup. Et les Européens, d'une certaine manière, ne se positionnent pas. C'est-à-dire, on soutient l'Ukraine en envoyant des armes, mais il est hors de question qu'on intervienne nous-mêmes dans cette guerre. Alors, les Américains regardent ça de loin. Il y a toutes ces tentatives à Washington, mais qui ne marchent pas. Pas très bien, je dirais, de faire le lien avec la situation du Taïwan et de dire que ce qui est en jeu, c'est la crédibilité des États-Unis. Et si vous êtes crédible face à la Chine et dissuader la Chine d'attaquer le Taïwan, il faut aussi soutenir l'Ukraine, parce que la Chine regarde très très près ce qui arrive à pas un allié formel, mais en tout cas un partenaire très proche de l'Ukraine, des États-Unis et aussi de l'OTAN, ce qui est le cas de l'Ukraine, et on tirera ces conclusions. Mais je crois tout simplement que pour les États-Unis, c'est certes une question importante, mais ce n'est pas une priorité. Et donc, ça devient plus un problème européen où les Européens, en gros, on ne sait pas quoi faire. Je pense que réellement, ça se résume à ça. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais... Oui, ça la clarifie pas, mais ça répond évidemment en partie. La question, elle est quand même comment les Européens, a fortiori si les Américains ne sont plus ou sont moins au rendez-vous, vont-ils soutenir et s'organiser pour soutenir cet effort de guerre ? Parce que s'ils ne soutiennent pas cette ligne de aujourd'hui, cette ligne de front, même gelée, même, ça veut dire en réalité qu'ils ont perdu politiquement la mise. Ou alors, il ne fallait pas être unis, il ne fallait pas prétendre qu'ils allaient la tenir, etc., etc. Et donc, le risque, après, c'est... et qu'il n'y ait plus rien à négocier, parce que ça aurait été de toutes les façons, une fois de plus, la politique du fait accompli sur le dos de la faiblesse des Européens. Et c'est quand même, qu'est-ce qu'on négocie avec les Russes ? Je vois bien à certains moments ce qu'il fallait négocier avec eux pour les retenir. Mais dès lors que, je dirais, le passage à l'acte a été accompli, qu'est-ce qu'on négocie ? Et la nécessité de fournir l'effort de guerre, la transformation de leur économie, fait par ailleurs que sur les éléments dans lesquels l'Europe est à l'aise, de la transaction économique, commerciale, etc., ils ont retrouvé finalement des marges de manœuvre. Donc on n'a pas les moyens de pression d'une transaction. Donc qu'est-ce que cette négociation irait où ? Alors, concernant la Russie, je pense qu'il faut distinguer deux choses. La première, c'est qu'est-ce qu'on négocie avec la Russie dans le cas concret de l'Ukraine ? Et là, la réponse est rien du tout. Déjà, c'est les Ukrainiens qui décideront si un jour ils voudront négocier avec la Russie ou non. Et deuxièmement,
On a moi, j'ai énormément de mal à avoir le but d'une négociation. Normalement, c'est un compromis. Le compromis ressemblerait à quoi dans ce cas de l'Ukraine? Je veux dire, la Russie a envahi un pays. Et ce pays, donc l'Ukraine, veut que les Russes rentrent chez eux. Et c'est très difficile. Enfin, moi, en tout cas, je ne vois pas de négociation entre les deux. En gros, le scénario le plus réaliste, c'est que l'Ukraine décide un jour qu'ils ne pourront pas continuer la guerre et qu'il y aura peut-être un soutien externe à des négociations, etc. Mais on n'en est pas là. Donc, dans le contexte ukrainien, négocier, je ne sais pas de quoi on négocierait. Le cas de figure, des questions dont j'ai voulu parler ce soir, c'est pas vraiment une question de négociation avec les Russes, mais en gros, la décision le choix entre deux scénarios, c'est que tous les deux scénarios reposent sur l'idée qu'on est ennemis maintenant, la Russie et l'Occident. On est ennemis, on s'oppose, on essaye de se dissuader mutuellement, etc. Et donc, dans un premier cas de figure, on ne leur parle même pas du tout. On essaye de les dissuader un maximum et c'est tout. Et dans le deuxième cas de figure, on essaye de dire... Alors, on est ennemis, mais on essaye quand même de se parler dans un domaine très compartimentalisé de la sécurité pour éviter que la situation nous explose dans la figure. Et donc, ce n'est pas forcément une question de négociation, mais plus une question de est-ce qu'on arrive à se mettre d'accord pour, de façon peut-être pas vraiment coopérative, mais pour qu'on soit au moins d'accord tous les deux, donc les deux côtés, pour gérer les risques de la situation dans laquelle on se trouve. Ce qui n'est pas vraiment une négociation, mais plus la mise en place de mécanismes qui permettraient de gérer cette situation. Très bien. On voit bien que c'est vrai, le chemin de crête est extrêmement, extrêmement étroit. D'une certaine manière, au plan stratégique, la situation... elle est, vous l'avez dit vous-même, un peu réglée par les équilibres de dissuasion. Et donc, voilà, il y a un confinement du théâtre, y compris en mer Noire, les accords avec les Turcs, les Russes ne font pas n'importe quoi. Donc, ce serait... c'est plus au plan opérationnel et tactique qu'il pourrait y avoir progressivement des arrangements qui feraient régresser un certain nombre d'opérations ou de frappes, pour aboutir à une sorte de conflit gelé, mais c'est quand même dans la phase actuelle. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui vont nous éclairer? Monsieur, comme toujours, on passe la parole aux étudiants d'abord, donc vous attendrez votre tour. Toi aussi. Alors, est-ce qu'il y a des bras qui se lèvent? Je vous en prie. Et il y a peut-être aussi des questions d'internautes à nous poser qu'on a oublié la fois dernière. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Ma question va porter sur l'avantage qu'ont les démocratures, notamment donc la Russie et la Chine, sur l'Union européenne. Donc le général Burkhard, il y a quelques semaines, dans sa leçon inaugurale, évoquait l'avantage qu'ont ces pays, notamment pour penser sur le temps long et anticiper. En face, on est une Europe à 27, où la règle de l'unanimité confère un pouvoir de blocage qui n'était probablement pas prévu lors de la création des institutions. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne dispose des moyens pour rester pertinente et se montrer à la hauteur des grands enjeux à venir? Ou est-ce qu'elle est condamnée à devoir se réformer profondément et abandonner une partie de ses principes fondamentaux pour s'adapter à ces nouvelles menaces? Merci beaucoup, vous viendrez l'année prochaine dans le 12e cycle pour traiter cette question qui était dense mais intéressante. D'autres questions? On prend un cycle de 3 comme d'habitude. Là-haut, levez-vous. Et puis,
Est-ce qu'il y a, parce qu'avec les projecteurs, je ne vois pas bien, il y a, en Bonsoir. Haut, il y a des gens... Merci pour votre intervention en premier lieu. Je voudrais peut-être revenir sur la dimension européenne que vous avez donnée à votre propos sur la relation avec la Russie, évidemment. Le président de la République, la semaine dernière, il y a deux semaines, a tenu des propos assez précis à Stockholm dans un discours sur la politique de défense à l'Académie de défense suédoise, en précisant que les intérêts vitaux de la France étaient quintessentiellement européens. Dans le même temps, en décembre 2023, dans le débat public allemand, des élus, notamment la CDU, dans un article dans Die Zeit, ont évoqué l'opportunité d'une dissuasion nucléaire qui est une dimension européenne. Revenant là sur un thème assez ancien, qui était celui peut-être d'un partage franco-allemand, européen, la dissuasion. Dans ce contexte, avec aussi la rénovation de l'architecture de défense et de sécurité commune européenne, comment identifiez-vous la place que pourrait avoir une dissuasion nucléaire à l'échelle européenne dans ce double paradigme, tantôt de stabilité, tantôt d'identité, que vous présentiez tout à l'heure? Merci. Alors, une troisième question. Oui, allez-y. Bonsoir, merci pour votre intervention. Ma question sera assez brève. Je voulais juste savoir votre vision sur quelle place pour la nouvelle politique, une nouvelle politique de voisinage de l'Union européenne pour avoir une vision partagée de la sécurité entre les États membres. Merci. Je vous laisse répondre. Oui. Alors, trois petites questions. Alors, est-ce que l'Union européenne peut toujours être pertinente dans le monde d'aujourd'hui? J'y crois. Peut-être pas vraiment dans le domaine purement stratégique au sens militaire, parce que de toute façon, en tout cas, vu l'approche actuelle à ces questions au niveau Union européenne, PSDC, etc., ce n'est pas sa vocation. Mais l'Union européenne reste un marché tout à fait important, tout à fait intéressant. L'Europe continue d'avoir un soft power considérable, mais il est sûr qu'on a beaucoup de réflexions à mener en Europe et on n'a pas encore trouvé les réponses. Et je pense que votre question pourrait peut-être être reformulée de manière à se demander si l'Union européenne peut toujours être un acteur sur la scène internationale dans un monde où on remet en question sa légitimité et cette approche basée sur la valeur qu'elle dit qu'en Europe, il y a 20 ans, le débat, c'était sur la puissance normative de l'Europe, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve face à un monde où cette puissance normative n'intéresse peut-être pas grand monde en dehors de l'Union européenne. Et vous avez tous ces débats, évidemment, je pense que c'est à ça aussi que vous faisiez allusion, de la compétition stratégique entre l'Occident, les Russes et les Chinois en Afrique, par exemple, où on dit souvent que la Chine l'emporte, ce qu'elle construit, et construit des ponts plus rapidement. Donc il y a tout un débat. L'Union doit-elle se réformer? Oui, je pense qu'on arrive à une Union qui est tout simplement trop grande pour le mode de fonctionnement. Mais il faut surtout une réflexion stratégique à comment on agit dans ce monde multipolaire. Mais voilà, c'est une question à laquelle je ne peux malheureusement pas répondre en 30 secondes ici. Si vous avez la solution, je pense que beaucoup de capitales seront preneuses. Alors, la dissuasion et la fameuse bombe européenne, je crois qu'il y a de nombreuses raisons d'être sceptique et de penser que ça ne se fera pas. Déjà, en franco-allemand, ça se passe pas très bien, et en européen, ça se passe encore moins bien. Pour ne vous donner qu'une seule raison pour laquelle je serais assez sceptique, c'est que dès que vous avez la bombe avec un grand B, vous vous trouvez forcément dans des dilemmes de sécurité avec d'autres États. C'est inévitable. Et un dilemme de sécurité, ça se gère par la doctrine, par la communication,
la réassurance des autres acteurs sur la scène internationale. Si vous avez une bombe à 27, il faut gérer cette politique de la gestion du dilemme de sécurité à 27. Et non, je ne pense tout simplement pas que l'Union européenne ou les Européens, dans un sens un peu plus large, même dans un autre contexte, en seront capables. Et enfin, pour moi, c'est la principale raison d'être opposée à la bombe ou à une dissuasion européenne. Je ne sais pas non plus ce qu'il faut penser de ce débat allemand. C'est un débat qui ressurgit de temps en temps, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il ne repose pas vraiment sur une compréhension très profonde des questions stratégiques, où c'est plus cette idée de vouloir souscrire à une assurance vie, et que l'idée qu'on se fait de l'assurance vie, c'est d'être couvert d'une manière ou d'une autre par un parapluie nucléaire national ou appartenant à un autre pays, mais que pareil, que les implications derrière, en fait, sont assez mal comprises. Après, si vraiment on voit la réélection de Donald Trump, je pense que ce débat peut vraiment partir dans tous les sens, malheureusement. Mais voilà, enfin, on a souvent tendance à voir une bombe européenne comme un peu l'aboutissement de l'intégration européenne. Mais je crois qu'on n'en est vraiment pas encore là. Et vu la prise de décision dans l'Union, on n'est tout simplement pas prêt pour ce genre de discussion, et on est vraiment loin de l'être. Alors, la place de la politique de voisinage de l'Union européenne, je pense qu'il y a un vrai... il y a vraiment des choses à faire pour l'Union européenne, et notamment enfin, dans le voisinage est. Encore une fois, de résilience sociétale, c'est vraiment un sujet au cœur des approches à la Moldavie, par exemple, pour soutenir la Moldavie à être moins vulnérable. Est-ce que la politique de voisinage peut nous aider à aboutir à une vision commune des questions de défense européenne ? Je ne sais pas. Je ne pense pas que la politique de voisinage ait forcément vocation à servir à ça, mais que les points de vue communs ou les convergences des analyses stratégiques parmi les Européens, ça passe vraiment par un dialogue stratégique entre Européens, comme l'a d'ailleurs proposé le président Macron, mais c'est jamais, en tout cas à ma connaissance, c'est jamais passé grand-chose dans ce débat, donc c'est peut-être l'occasion maintenant de relancer ces idées de dialogue stratégique. On va prendre une autre série. Mais qu'est-ce que vous pensez du triumvirat européen, Borrell, Michel, van der Leyen, justement dans la gestion de ce dossier ? Est-ce qu'on peut en rester comme ça à ce niveau de dispersion et de... Dans l'idéal, non. Après, pour changer tout ça, il faut un consensus. Est-ce qu'on va trouver un consensus pour trouver la gestion des affaires étrangères de l'Union européenne ? J'ai du mal, donc je pense que c'est tout ce qu'on a. Il faut faire avec. Et quel sentiment avez-vous par rapport au... Ben on peut dire au moins au trio du passé, quoi, qui était peut-être moins apparent, mais plus uni ? Alors peut-être après, peut-être pour défendre le trio actuel, je pense qu'ils sont quand même confrontés à des crises d'une ampleur qui dépasse les crises qu'on a vécues plus tôt. Donc c'est peut-être aussi un peu plus compliqué à gérer. Mais non, je veux dire, ça illustre qu'en Europe, on a du mal à parler d'une seule voix. C'est pas nouveau et ça ne changera pas. Alors, il y a une question de monsieur qui attend depuis longtemps. Il y a un étudiant, il y a un autre étudiant qui est là. Merci pour votre intervention. Allez-y, monsieur. Je voudrais rendre hommage à monsieur Alfred Grosser, qui est mort il y a quelques temps et qui a été quand même un communicant qui a beaucoup contribué à la coopération franco-allemande. Donc, c'est le lieu et le moment pour lui rendre hommage. Voilà. Ceci étant, j'aurais merci de l'avoir fait.
deux questions à vous poser. Dans votre présentation, en introduction, vous avez parlé de dichotomie entre les deux paradigmes. Et en conclusion, vous avez parlé de complémentarité. Alors, je voudrais que vous nous apportiez un certain éclaircissement sur les passerelles qui existent entre ces deux concepts que vous faites. Ça, c'est un premier point. Et donc, et deuxième question, je crois que le questionnement relatif à la réponse au type de paradigme qu'il faut apporter, je crois que ça dépendra de la nature de la relation à venir entre l'OTAN et l'Union européenne ou entre l'Union européenne et l'OTAN. Et les exemples les plus concrets, c'est l'adhésion de la Finlande et de la Suède à leur candidature à l'OTAN. Et à contrario, c'est la Norvège qui fait partie de l'OTAN historiquement, mais qui ne fait pas partie de l'Union économique européenne. Donc je voudrais bien connaître votre avis. Merci. Merci, monsieur. Je vous en prie. J'avais une question par rapport à justement ce qu'on a pu aborder sur les autres intérêts qu'on pouvait avoir, notamment les Occidentaux par rapport à la Chine. On a beaucoup parlé de la Russie et vous nous avez parlé d'une différence de culture, mais aussi enfin, finalement d'une différence d'intérêts, des intérêts différents entre les différents acteurs de l'Union européenne et de l'Europe. Est-ce qu'il est plus envisageable de parler d'alliances bilatérales, multilatérales en fonction des intérêts de chacun? Je pense à la France qui a quand même un pied dans le Pacifique. Il y a aussi l'Afrique, évidemment, ce dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que parler d'une stratégie européenne unie par rapport à ces différents compétiteurs reste pertinent ou est-il préférable de se tourner davantage vers quelque chose? Merci beaucoup. Alors, Nicole? Allez, Nicole Niesoto. Et ensuite... Merci beaucoup. Moi, j'ai un commentaire et deux petites questions. Mon commentaire, c'est que je trouve que vous avez tout à fait raison de vous intéresser à l'ordre de sécurité européen, parce que personne ne le fait. Et personne ne le fait parce que c'est même un tabou. C'est considéré presque comme munichois que de se poser la question de la future relation avec la Russie, alors que chacun sait que la Russie ne sera jamais au Burkina Faso. Donc ça, je trouve que vous avez raison de lancer, je crois, un programme aussi pris là-dessus. Auquel d'ailleurs peut-être les étudiants de la chaire pourraient être associés. Deuxièmement, en revanche, moi je pense que l'ordre de sécurité européen, c'est pas une relation bilatérale entre l'Europe et la Russie, c'est une relation à trois. La variable américaine est constitutive de l'ordre de sécurité européen et vous ne l'avez pas vraiment traité. Alors peut-être qu'il faudrait une deuxième conférence, mais vous ne l'avez pas traité parce qu'il me semble que selon que les États-Unis soient plus ou moins intégrés dans l'OTAN, ou inversement, selon que les États-Unis se désintègrent de plus en plus de l'OTAN et de la sécurité européenne, le camp des identitaires ou le camp des stabilitaires, je ne sais pas comment on dit, vont être différents. Et en particulier, le camp de la panique va augmenter très sérieusement. Donc, en fonction de ça, ma question est, si Trump est élu, et c'est dans 9 mois, c'est pas dans 20 ans, hein, c'est ce qu'attend si Trump Poutine. Est élu, qu'en est-il de vos deux camps sur l'identité et la stabilité? Qui est plus fort? Qui perd? Première question. Et deuxième question. Si Trump est élu, ce que je crois personnellement, hein, je suis même certaine qu'il le sera, et si Trump dit, non pas je me retire de l'OTAN, mais je fais un OTAN optionnel, c'est-à-dire je verrai le jour J si je suis dans l'OTAN ou pas. Voilà. Ce qui est exactement d'ailleurs ce qu'avait dit le Congrès américain en 49. Il avait dit que l'appréciation du Congrès américain est nécessaire à chaque engagement de l'article 5. Mais bon, si Trump laisse la NSA, vous qui parlez toutes les langues apparemment européennes, et en particulier l'allemand, si je comprends bien... L'allemand, l'anglais, le français, le suédois... Est-ce que ça n'est pas l'option nucléaire allemande qui devient un sujet? Si Trump dit, moi, la dissuasion de l'Europe, ça m'est égal, je verrai le moment venu, est-ce que c'est, la dissuasion européenne, c'est préhistorique, ça devient préhistorique. Le vrai sujet, c'est la dissuasion allemande, l'arme nucléaire allemande. Merci. Merci, Nicole. La dernière question de cette série. Je t'en prie. Merci d'avoir replacé la Russie au centre du village européen, village qui est assez dispersé dans ses opinions et dans ses stratégies.
Ma question porte sur la Grande-Bretagne. Ce pays qui souffre beaucoup du Brexit et dans lequel apparemment une majorité de Britanniques souhaiterait se rapprocher de l'Europe à nouveau. Pensez-vous qu'un rapprochement avec la France, dans la situation que nous connaissons actuellement en matière de sécurité, pourrait être un plus et apporter une dynamique vis-à-vis de la Russie? Merci beaucoup. Non, plus tard, je vous ai vu. Allez-y, Barbara. Alors, encore une fois, des questions assez compliquées. Alors, peut-être pour lire la toute première chose, merci des félicitations concernant le programme sécurité au CIPRI. Je voudrais annoncer qu'on est à la recherche d'un stagiaire. Donc, si ça intéresse quelqu'un, ce sera pour la deuxième moitié de 2024. Donc voilà, un peu de publicité. Pour revenir aux choses un peu plus sérieuses, malheureusement. Alors, les deux paradigmes ne sont pas des dichotomies, justement, puisque, étant donné qu'elles sont situées à deux niveaux d'analyse différents, en fait, ce sont juste deux choses différentes, mais qui ne s'opposent pas. Et je pense que l'erreur qu'on commet dans le débat européen, c'est de croire qu'il y a forcément un lien entre l'analyse de la menace et la posture de dissuasion qu'on adopte. Vous avez cette idée de plus on a peur de la Russie, plus il faut adopter une posture de dissuasion maximaliste qui vraiment vise à faire le plus peur possible aux Russes. Et je crois que c'est ça le danger, en fait. Mais on peut parfaitement les unir, et la passerelle, en fait, consiste à découpler ces deux éléments. C'est-à-dire, oui, on a notre analyse de la menace et notre analyse de la Russie. Après, est-ce qu'on pense aux explications essentialistes d'un caractère russe qui ne change jamais, etc. Ou est-ce qu'on a d'autres explications, ou est-ce qu'on dit que c'est juste Poutine, ou je ne sais pas. Enfin, je veux dire, le résultat est un peu le même. Mais de ne pas faire ce lien entre l'analyse de la menace et la posture exacte de la dissuasion, mais de dire, voilà, on est tous d'accord pour dire que la Russie est une menace, mais on voudrait quand même une posture de dissuasion avec modération, si vous voulez, pour ne pas, au départ en tout cas, ce qui laisse aussi un peu de marge de manœuvre, de monter d'un cran si jamais on décide que c'est nécessaire, mais ne pas se laisser manœuvrer dans une situation qui devient très, très dangereuse, puisque la Russie reste une puissance nucléaire, donc par définition, la Russie reste dangereuse, de ne pas se laisser manœuvrer dans une approche, extrêmement agressive envers la Russie, qui peut tout simplement mal tourner. Je crois que c'est vraiment ça la question. Alors ensuite, la nature de la relation Union européenne-OTAN, je pense qu'à Bruxelles et dans les deux Bruxelles, on a évidemment compris qu'il faut travailler ensemble. Le problème, c'est les obstacles très pratiques qui sont liés à la Turquie, à Chypre, etc. Donc il y a, je pense, aujourd'hui vraiment une volonté politique. Après, les problèmes sont pratiques. Mais je pense qu'on n'est vraiment plus dans cette logique de compétition ou de jeu à somme nulle où un investissement dans l'un signifie automatiquement un déficit dans un autre contexte. Mais après, comment résoudre le problème turc, Chypre, etc. Pareil, les gens ont essayé pendant des années, des décennies, mais c'est compliqué. Alors, concernant les intérêts européens et la Chine, je pense que c'est un dossier plus facile que la Russie, parce que déjà la compétition, enfin la relation, on va dire, entre l'Union européenne et enfin, les Européens aussi à titre individuel et la Chine n'est pas tellement dans le domaine sécuritaire, mais dans le domaine économique, commercial, etc., où il y a quand même une sorte de consensus qui se dessine sur le dérisking, comme ils disent à la Commission européenne, donc en gros l'autonomie stratégique économique. Non, je sursimplifie, mais
où il y a cet aspect-là, où on a quand même l'impression que on est plus ou moins d'accord. Alors ensuite, des relations bilatérales avec la Chine, je ne sais pas trop. Je ne sais pas s'il y a un intérêt côté chinois nécessairement d'avoir des relations avec tous les petits pays européens et ceux qui ont essayé par le biais, par exemple, du projet de la route de la soie, etc. Ça ne s'est pas très bien passé. Il y en a beaucoup qui ont fait des expériences qui ne souhaiteraient pas répéter. Alors, la variable américaine est tout à fait constitutive pour l'Europe. C'est de ça que tout dépend, en fait. En tout cas, dans la vision de nombreuses capitales européennes, dans le paradigme de l'identité, enfin, encore une fois, je sursimplifie, mais leur idée, c'est que voilà, il faut dissuader la Russie, et pour ce faire, il faut que les Américains viennent ici et s'en occupent. Et donc, le jour où les Américains décident de ne plus vouloir venir ici, ils n'ont pas la réponse. Personne n'a la réponse. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse européenne à ça non plus, sachant aussi que dans le débat sur l'autonomie stratégique qu'on a eu ces dernières années, ce sont ceux qui sont le plus dépendants des États-Unis qui ont le plus refusé de parler d'autonomie stratégique européenne. C'est un peu l'ironie de l'histoire, mais c'est comme ça. Et donc, voilà, sans... Il ne faut même pas de retrait officiel des Américains de l'OTAN. Il suffit d'avoir un doute sur l'article 5 et la réaction des Américains en cas de problème au sens large en Europe. Alors, pardon. Les réactions, enfin la répartition des deux paradigmes en cas de victoire de Trump, je crois que les adeptes du paradigme de l'identité vont toujours continuer à croire en ça. C'est juste qu'il n'y a plus personne pour venir s'occuper de la dissuasion comme ils l'envisagent, avec la présence américaine, pas juste, encore une fois, on ne parle pas juste du nucléaire, mais vraiment des troupes sur le sol national, etc. Et la réponse immédiate, enfin, on sent déjà, c'est assez intéressant par exemple à observer en Suède et en Finlande, où déjà la réponse au niveau national à l'annexion de la Crimée, donc dès 2014, a été en fait d'essayer de renforcer aussi des liens bilatéraux avec les Américains et de s'assurer du soutien américain hors du cadre OTAN en essayant de devenir des partenaires attractifs pour les Américains, etc. Donc, on verra sans doute de ça, dans cette idée de diversification des alliances. On voit aussi, il y a d'autres partenaires européens qui deviennent plus intéressants du point de vue d'un grand nombre de pays européens qui travaillent avec la Grande-Bretagne, à travers la JEF, par exemple, qui vraiment, dans tout le nord-est de l'Europe, la Grande-Bretagne, je pense, est le partenaire numéro 2, tout de suite derrière les Américains. Et peut-être d'un point de vue de la réelle politique, mais enfin, j'espère qu'on y arrivera là, les Européens vont aussi forcer de trouver des accords avec la Russie. Mais là, on sera vraiment dans du pur appeasement qui, sans doute, ne tiendra pas pendant longtemps. Mais juste au vu des capacités européennes, qu'est-ce qu'il y a comme alternative? Donc, je pense que l'Europe n'est vraiment absolument pas préparée à cette idée de moins d'engagement américain, voire de zéro engagement américain, mais même moins d'engagement pose problème. Ce qui m'amène à la deuxième partie de votre question, l'option nucléaire allemande, oui, alors certains en Allemagne le voient clairement comme ça, à suivre le débat, enfin, en tout cas des propos publics. Moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai vraiment des doutes sur la maturité de la culture stratégique allemande à, encore une fois, gérer le fait d'être puissance nucléaire, de vraiment comprendre ce que ça veut dire que d'avoir une politique, une doctrine
autour de la dissuasion nucléaire, parce qu'il ne suffit pas de l'avoir. C'est un peu, encore une fois, c'est cette idée de l'assurance-vie qu'on trouve souvent dans le débat allemand. C'est bon, s'il n'y a plus les Américains, on va juste faire en sorte d'avoir notre propre bombe, et puis personne ne vous dit ce qu'on ferait avec ou comment on organiserait tout ça. Et je ne sais pas non plus si des garanties de sécurité allemande seraient forcément perçues comme crédibles dans les autres pays européens. Alors, je trouve qu'il est toujours assez difficile de distinguer la rhétorique politique qui sert à des fins de politique nationale en Pologne, par exemple, qui est souvent, enfin, dans un certain camp, en tout cas, de droite, hein, qui est souvent très anti-allemande, à quel point ça vraiment reflète la vraie vision de l'Allemagne dans ces pays, ou est-ce que c'est uniquement voilà, de la campagne électorale. Mais la question que je me pose sur en fait toutes ces idées de bombes, soit franco-allemandes, soit purement allemandes, c'est est-ce que ça nous rend plus sûrs en Europe, ou est-ce que au contraire ça nous rend même moins sûrs que si on n'avait pas, juste au vu des dynamiques que ça déclencherait au sein de l'Union européenne, au sein de l'Europe, des autres pays européens, des rivalités, et puis encore une fois du dilemme de sécurité envers la Russie. Est-ce qu'une Allemagne nucléaire serait capable de gérer ce dilemme de sécurité? Je ne sais pas. Donc, on verra où va ce débat. De toute façon, à l'heure actuelle, d'un point de vue, bon, c'est un point de vue juridique, évidemment, les normes juridiques, on peut s'en débarrasser, mais d'un point de vue purement juridique, l'Allemagne, en ce moment, ne peut absolument pas se permettre de devenir une puissance nucléaire. Hein, il y a le traité sur la non-prolifération nucléaire, il y a aussi la constitution allemande. Bon, encore une fois, c'est des normes juridiques dont on peut théoriquement se débarrasser, mais par contre, ce serait un revirement total de la culture stratégique allemande de dire les aspects légaux, c'est pas nous, ça nous intéresse pas. Et donc ça aussi, ça me ferait un peu peur pour une Allemagne qui décide qu'elle n'est plus tenue par les aspects légaux. Donc, voilà, mais je pense que c'est un débat qui reviendra sans doute. C'est juste, enfin, pour terminer là-dessus aussi, en fait, la solution n'est pas si simple. Je veux dire, le problème de l'Europe, si les États-Unis se retirent, et je parle uniquement des questions de sécurité, le problème n'est pas résolu si on acquiert une bombe allemande ou française. Je veux dire, il y a toute une liste d'autres problèmes, de dissuasion conventionnelle, de comment construire cet ordre de sécurité européen. Voilà, je veux dire, la question nucléaire est certes au cœur, mais c'est vraiment pas... La problématique ne se limite pas du tout à ça. Pour faire la transition avec la question sur le Royaume-Uni, de toutes les façons, tous les échanges, toutes les discussions avec Berlin sur le nucléaire n'ont pas eu beaucoup de prospérité du côté français et du côté britannique, où là, les coopérations Lancaster House et autres avaient favorisé des coopérations scientifiques. On n'a jamais pu aller au-delà d'accords techniques sur la rescue, sur du partage scientifique. Et on n'a jamais été dans des dispositifs opérationnels. Donc, c'est une question... très difficile, me semble-t-il, vous avez raison, dont on voit mal l'éclosion en Allemagne comme ça, et par ailleurs, on n'est pas capable d'envoyer 3 ou 4 000 hommes quelque part en Afrique entre Européens, avec la plus grande difficulté quand on le fait, envisager ce qui est, je dirais, c'est tout ce que vous avez dit, donc c'est vrai que c'est compliqué. Bon, j'essayais de faire une transition avec la problématique britannique et l'accord de Lancaster House. La problématique britannique, oui, je pense que la Grande-Bretagne a tout à fait un rôle à jouer. Et personnellement, j'aimerais voir plus de, comment dire, alors pas de coopération bilatérale avec la France forcément, mais que la Grande-Bretagne joue un rôle
avec la France dans cette nécessité d'avoir un débat stratégique en Europe, où la Grande-Bretagne, en tant que puissance nucléaire, je pense, automatiquement a des choses à apporter. Il faut voir aussi que la Grande-Bretagne joue déjà un rôle assez important dans le contexte sécuritaire actuel, dans le nord-est de l'Europe, donc dans le cadre de l'AGEF, qui vraiment est le format où on discute des choses liées à la défense territoriale, à la dissuasion, etc. Qui est un format qui, au départ, était lancé pour, comme l'indique le nom, les forces expéditionnaires, mais qui a vraiment fait le tournant vers la défense collective, la défense territoriale, et qui était extrêmement apprécié par les pays, encore une fois, du nord-est de l'Europe, donc pays baltes, scandinaves, Pays-Bas. Enfin, c'est pas le nord-est, mais le reste. Et je pense qu'il y a des choses à faire pour bâtir là-dessus, mais ça reste quand même régional, je veux dire, sous-régional d'un point de vue européen. Donc, à voir ce que décide la Grande-Bretagne du rôle qu'elle souhaiterait jouer dans un contexte plus large de sécurité européenne. Moi, à l'instant, j'ai toujours un peu de mal à comprendre, en fait, quelles sont les ambitions britanniques, quel rôle ils souhaitent jouer. Mais je pense qu'ils ont certainement un rôle à jouer dans les années à venir. Alors, je prends d'autres questions. Je vois des mains qui se lèvent. Monsieur Tournier, puis on va remonter comme ça. Ici. Parmi les étudiants. Ah, il y a monsieur qu'on n'oublie pas tout de suite après. Voilà, j'ai promis la parole tout à l'heure. Vas-y, Jacques. Oui, je voudrais quand même revenir sur l'Allemagne, parce qu'on est passé tout de suite au seuil du nucléaire, mais avant le seuil du nucléaire, il y a celui tout simplement de la volonté de se défendre de façon autonome. Je rappelle quand même que la position française, qui est vilipendée assez souvent, date de la fin des années 50, quand le général de Gaulle a exprimé dans son discours à l'IHEDN que, au fond, si la France devait faire la guerre, ça devait être d'abord être sa propre guerre, et que si elle devait se défendre, c'est pour elle-même, par elle-même, etc. etc. Bon. Ce qui semble finalement être une approche de bon sens. Quand un pays se sent être un pays, il a vocation à assurer sa propre défense, ce qui ne l'empêche pas pour autant de se chercher des alliés. Bon. Et donc, on a là-dessus toujours une position très claire, c'est que ça ne nous empêchait pas d'être les alliés des Américains, mais d'avoir une vision de notre propre défense qui était autonome. Si je fais ce long préambule, c'est parce que j'ai quand même l'impression que quand on regarde l'Europe, il y a un certain nombre de pays qui sont, j'ai envie de dire, pas loin ou même sur cette position. Quand vous regardez les pays que vous évoquiez, du GEF, les pays nordiques marquent, s'il faut se défendre un jour, ils le feront, et s'il faut le faire tout seul, ils le feront. Ce qui ne l'empêche pas de chercher des alliés. Je ne suis pas sûr qu'un certain nombre de pays de l'Est ne soient pas aussi dans cette position, par exemple la Pologne. Bon. Maintenant, il y a une espèce de grande inconnue sur ce sujet, qui reste et qui demeure, l'Allemagne. Bon. Si vous imaginez que demain, l'Allemagne rallie cette position de façon nette, claire et carrée, je suis convaincu que ça change complètement la donne européenne. Bon. Le problème, c'est qu'évidemment, dès qu'on parle défense, l'Allemagne dit l'OTAN, les Américains, les Américains, les Américains. Bon. Alors, le fait est, c'est qu'effectivement, c'est une position qui risque d'être un peu périlleuse. On l'avait déjà vu sous Trump 1. La façon dont Mme Merkel se faisait traiter par Trump avait fait que, je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet, mais je pense que oui, on a fait comme par hasard pas mal d'avancées sur le plan de l'Europe de la défense à ce moment-là, alors qu'elle était quasiment congelée. Donc la question que je voudrais simplement vous poser, c'est quels sont les voies et moyens qui, selon vous, pourraient être utilisés par nous ou par d'autres pour essayer d'aider l'Allemagne à franchir cette espèce de Rubicon qu'elle n'arrive pas à franchir, qui est, à un moment donné, il faut se défendre par soi-même. Merci pour le franchissement du Rubicon que va bientôt faire cette dame. La parole à monsieur qui est là, voilà, qui l'attendait. Bonsoir. La finesse de vos analyses ne me rassure pas. Pourquoi ? Parce qu'elle témoigne que nous ne sommes pas dans le même temps, sachant que M. Poutine est de toute évidence dans celui de l'action, alors que nous sommes en Europe,
dans celui de la réflexion. Et je crains fort que s'il devait y avoir une unité européenne, ça serait peut-être au moment où M. Poutine aurait décidé d'avancer et de déterminer une ligne de front. Et ce serait à propos de cette ligne de front que peut-être l'unité européenne devrait se faire. Et encore une fois, auquel cas, ce serait l'Ukraine qui en paierait les frais. Merci, monsieur. Une dernière question. Peut-être, oui, tout là-haut, là-haut, l'étudiant. Non, on ne pourra pas tous les... Et là-haut, vous, voilà. Les paroles aux deux étudiants. Et on achèvera là notre cycle. Bonsoir. J'avais une question qui concernait surtout l'armement. La France produit et vend des Rafales. Or, énormément de pays européens ont acheté des F-35. Quelles pourraient être les implications à long terme pour la politique de sécurité européenne qu'on ne vende pas de Rafale et que finalement d'autres pays européens se achètent des produits américains? Et comment pensez-vous que l'on pourrait créer une coordination, une coopération industrielle dans le domaine de la défense au sein de l'Union européenne? Merci. C'est un peu le SCAF, mais on verra. Monsieur. Alors, je voudrais vous poser une question par rapport au projet européen en matière de cybersécurité. Notamment, par exemple, le NIS 2, la directive NIS 2 qui est en cours de transposition, ou même la montée en compétence de l'ENISA, afin d'assurer la sécurité et l'autonomie des systèmes de communication dans l'Union européenne. Et donc, je voudrais vous demander si ce projet peut être perçu comme un premier pas vers une plus grande coopération européenne en matière de cyberdéfense. Merci beaucoup. Alors, vous prenez la question de ce monsieur qui insiste beaucoup. Oui, alors, oui, vous êtes vraiment très, très gentil. C'était Kind Words, c'est ça? Kind Words, c'était ça le titre de la thèse. Allez-y, je vous en prie. Dans votre paradigme sur l'identité, est-ce que ça ne renvoie pas à l'histoire de chaque camp? C'est-à-dire pour la Russie, à partir du tsarisme, la révolution communiste, l'arrivée de Staline et actuellement. Et pour l'Europe, l'histoire européenne. C'est-à-dire, est-ce que ça ne revient pas à une histoire de valeurs? C'est-à-dire que pour l'Europe, la démocratie, la liberté, etc. Et pour la Russie, la Sainte Russie orthodoxe avec la Grande Russie de Poutine. Ça, c'est une des questions. Ah, et dans cette question... Parce que je disais que c'était très bien, parce qu'on revenait au point de départ et c'était une parfaite conclusion. Mais si vous avez une autre question, posez-la. Attendez, là, ce n'est pas une question. Je n'ai pas posé une question. Allez-y. C'est bien ce qui me semblait, justement. Non. Ma question, c'est à l'intérieur de ce problème identitaire, est-ce qu'on peut analyser la dérive stalinienne de Poutine? Et quel rôle ça a? Bon, quant à la défense, nous avons eu il y a un mois un exposé du général Burkhard, chef d'état-major, que moi j'ai trouvé très rassurant. Parce qu'il a dit, la Russie, en aucun cas, ne présente un danger pour l'Europe, du point de vue militaire. Et plutôt que de parler d'une confrontation, il a dit qu'il fallait voir les choses plutôt comme une crise entre... que met en avance cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il a dit aussi que les... On ne va peut-être pas refaire la conférence du général Burkhard, bon, parce que alors, vous avez dit qu'elle était très bonne. J'en reviens aussi à ma question par rapport à l'arme atomique. Moi, j'ai posé la question à M. Bauer suite à la lecture de son livre « Au début étaient les guerres ». Parce que quand l'armée ukrainienne a lancé des missiles dans le territoire russe, ce qui fait que selon les règles de la Russie, ils étaient en droit d'activer pour eux l'arme nucléaire. Il m'a dit non, c'est pas du tout d'actualité, sauf si la Crimée tombe. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Merci beaucoup. Alors. Alors, je pense que malheureusement, ma réponse à toutes ces questions sera « je ne sais pas ». C'est honnête au moins.
J'essaie d'élaborer un tout petit peu. Alors déjà, pour aider l'Allemagne à franchir le Rubicon, comme vous disiez, je n'en sais rien. Alors, Poutine a quand même réussi pendant quelques semaines, au mois de février, il y a 2 ans, à faire bouger les choses en Allemagne avec la fameuse Zeitenwende, les 100 milliards d'euros à investir dans les forces armées. Mais enfin, je ne suis pas à Berlin, je suis à Stockholm, mais ce que je ressens de Berlin, c'est qu'en fait, tout sentiment d'urgence a disparu. Et vous avez certes le ministre de la Défense qui dit qu'il faut se préparer à des décennies de conflits avec la Russie, etc. Mais vous avez aussi un ministre des Finances au sein du gouvernement actuel qui ne veut absolument pas dépenser plus d'argent que strictement nécessaire. Donc voilà, je suis désolée, ma réponse à votre question, je ne sais pas. J'espère que ça ne sera pas Poutine qui nous aidera une fois de plus, parce que ce sera certainement catastrophique. Ce qu'on voit quand même, peut-être en défense de l'Allemagne, c'est qu'elle essaye de faire plus et qu'elle en fait plus. Je veux dire, elle envoie cette brigade, il y a le projet de Sky Shield, on en pense ce qu'on veut. Surtout à Paris, mais de manière générale, on peut vraiment se poser des questions sur la pertinence, même d'un point de vue technologique, de ce projet. Mais si on veut être très positif envers l'Allemagne, au moins, elle essaye de faire des choses, de proposer des choses. Et voilà, donc c'est peut-être à travers ce genre de projet qu'on arrive à l'entraîner. Mais comme je disais tout à l'heure, je ne vois pas vraiment en Allemagne de pensée stratégique très ancrée. C'est-à-dire la principale motivation de l'Allemagne, j'ai l'impression, c'est toujours d'être un bon allié. Et bon, le jour où il n'y aura plus d'alliance, forcément, ça posera problème. Alors, deuxième question à laquelle je ne sais pas répondre, c'est comment arriver à plus de coordination en Europe concernant les acquisitions de matériel militaire. Mais enfin, pour moi, ce qui explique le F-35 un peu partout, c'est les questions politiques. C'est de tisser des liens avec cet allié américain qu'on a peur de perdre. Et c'est pour ça qu'on achète du F-35 et aucune politique de l'Union européenne au monde ne changera ça. Donc voilà, et encore une fois, je ne sais pas, voilà, je ne peux pas répondre à votre question. Alors, sur la question sur la cyberdéfense, encore une fois, je suis désolée, mais ce n'est pas du tout mon sujet, donc je peux juste vous dire de manière générale que oui, prendre la cyberdéfense au sérieux est important et d'avoir des approches communes aussi, mais la directive dont vous parliez, je vous mets volontiers en contact avec mes collègues qui vraiment travaillent sur les questions et qui pourront peut-être vous donner une réponse. Si vous étiez stagiaire, par exemple, vous auriez l'occasion directement d'aller adresser votre question à la bonne personne. Vous pourriez voir le collègue tous les jours dans la cuisine, près de la machine à café, etc. Il y avait le SCAF et le Rafale et les coopérations d'armement, Monsieur Prest, qui avait posé cette question, je crois. Oui, enfin, les questions de... Pourquoi on n'achète pas du Rafale et qu'on choisit du F-35? Voilà, principalement des raisons politiques et des raisons d'alliance. Et déjà, il faut voir ce que deviendront tous ces projets, enfin, toutes les alternatives européennes au F-35, maintenant que tout le monde a acheté du F-35. Et ça, c'est une question qui se pose pas uniquement pour le SCAF, mais c'est aussi par exemple une question qu'on se pose en Suède, où on a la Suède construit son propre avion. Est-ce que c'est viable à long terme? Est-ce qu'il y a un marché? On ne sait pas. Donc, je pense que d'un point de vue de stratégie, enfin d'autonomie stratégique sur le plan industriel en Europe, c'est une période difficile. Et alors, la question sur la Russie. Encore une fois, je ne sais pas. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant qu'analyste, je me méfie énormément d'analyses qui reposent sur l'idée qu'on peut savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Poutine. Et je pense que tout chercheur sérieux vous dira qu'il est impossible de le savoir. On peut avoir des théories, on peut avoir des hypothèses, mais essayer de prédire ce qui va se passer
sur la base d'une idée qu'on se fait de ce que pense Poutine, ou Trump, ou je ne sais pas qui d'autre, n'importe quelle personne. Voilà, je m'en méfie beaucoup et je pense que le point de départ en fait, de toute politique de défense doit justement être qu'on ne sait pas, qu'on ne peut rien exclure, mais qu'on peut vraiment être sûr de rien. Et donc, il faut envisager toutes sortes de scénarios, mais ne jamais penser qu'on sait véritablement. Merci beaucoup. À défaut de voir les Européens franchir le Rubicon, vous avez montré que c'était un Rubicube que cette défense européenne. Et il a fallu toute votre agilité intellectuelle pour présenter les choses avec beaucoup de finesse et d'honnêteté. Merci beaucoup.